Bonjour, mes frères et sœurs, les princes et les princesses de Dieu. Comment allez-vous ce matin? Ben, pour ma part, je vais très bien grâce à Dieu. Il nous a fait grâce ce matin. Il nous a permis de nous réveiller en bien avec le souffle de vie. Donc, nous remercions le Seigneur. Alors, là, nous allons, pour aujourd'hui, nous allons faire notre lecture dans Genèse chapitre 4, puisque la dernière fois, nous avons fait notre lecture dans Genèse chapitre 3. Et donc, avant de commencer la lecture, je voudrais partager une chanson avec vous, en sachant que je ne ferai qu'un seul couplet. Parce que si je me mets à chanter la chanson entièrement, nous serons là encore, dans 2 heures, nous serons encore là. Et je sais que la plupart du temps, quand les gens voient que les vidéos sont un petit peu trop longues, ils ne veulent pas regarder. Donc, c'est pour ça que j'abrège un peu la chanson. Alors, je vais commencer la chanson pour vous et ensuite, nous allons prendre notre Bible pour faire la lecture ensemble dans Genèse chapitre 4. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu, tu m'as sondé des cieux. Où puis-je fuir? Ta science infinie, éternel roi, tu me suis en tout lieu. Où puis-je fuir? Ta science infinie, éternel roi, tu me suis en tout lieu. Donc voilà, c'est ce couplet que je voulais partager avec vous avant de commencer la lecture. Alors, je vous dis tous à vos Bibles, je commence pour vous la lecture dans Genèse chapitre 4. Adam connut Ève et sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nord à l'Orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Énoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Énoch. Énoch engendra Irad, Irad engendra Méujaël engendra Métushaël, et Métushaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes.
Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tessilda. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tessila, de son côté, enfanta Tubal, Caïn, qui forgeait tous les instruments des reins et de fer. La sœur de Tubal, Caïn, était Naama. Lémec dit à ses femmes, « Ada et Tessila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. » Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Parole du Seigneur. Alors oui, mes frères et sœurs, donc, nous voyons que dans Genèse chapitre 4, nous voyons que par jalousie, Caïn a tué son frère Abel. C'est vrai que de nos jours, nous voyons que ça, mes frères et sœurs. Nous voyons que ça, la jalousie fait des ravages dans le monde actuellement. Et pourtant, Dieu nous aime tous au même degré, mais c'est selon l'offrande que tu lui présentes. Il y a des fois, tu dis oui, tu vas donner ça au Seigneur, mais est-ce que tu lui as donné l'offrande de tout ton cœur? Il y a ça aussi. Quand on donne une offrande au Seigneur, on doit l'offrir avec son cœur. Ce n'est pas de dire oui, je vais offrir ça au Seigneur et puis c'est bon, il va me délivrer. Non, non, ce n'est pas comme ça. Et quand vous donnez une offrande au Seigneur, ne cherchez pas à recevoir quelque chose en retour. Non. Dites au Seigneur, je t'offre cette offrande pour la grâce que tu m'as fait, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, pour tout ce que tu m'as donné, pour ce que tu m'as permis d'être aujourd'hui. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est cette lecture que je voulais partager avec vous. Je vous remercie de me suivre. Par contre, n'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mes frères et sœurs, n'hésitez pas à me les poser. Je suis là, je répondrai à toutes vos questions, il n'y a pas de problème. Et ce que je voulais dire encore, ben c'est bon, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une très très bonne journée dans le nom du Seigneur, notre Sauveur. Et je vous dis à bientôt pour Genèse chapitre 5. N'oubliez pas, si vous voulez déjà commencer votre lecture dans Genèse chapitre 4, il n'y a pas de souci. Ou alors, on le fera ensemble très prochainement, c'est-à-dire demain normalement. Et si Dieu le veut, il n'y a pas de souci, on le fera ensemble. Alors que Dieu vous bénisse, je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, 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 je vous aime.